traversé sur le plan sécuritaire une des périodes les plus sombres de son histoire. Nous ne devrions plus revivre cette période. Il n'y a pas de développement sans la sécurité et la paix. L'armée forte, paix, sécurité. La déconfiture de l'armée a failli nous conduire à la disparition même de l'État. C'est la seule solution pour que la paix revienne durablement au Mali. Et cette paix ne viendra que dans le cadre d'un dialogue avec toutes les populations, étant entendu que le Nord, il est pluriel. L'emploi, c'est un gros souci pour nous, les Maliens, car il y a plein de gens qui ont terminé les études et n'ont pas trouvé de l'emploi. Il n'y a aucune famille au Mali qui n'est pas touchée par ces phénomènes. Chaque famille du Mali a un enfant qui chôme. Après les écoles, qu'est-ce que les enfants doivent faire? On ne fait que s'asseoir et prendre du thé. Jouer aux cartes, cela est inadmissible. Ce programme d'emploi s'inscrit dans la politique nationale. Insérer ces jeunes. Je suis en train de faire des choses. Je vais faire des choses pour que les gens. Je veux qu'on fasse beaucoup attention aux jeunes. Tant qu'on ne travaille pas, on n'est pas digne. Quand on a des gens, on a. L'État doit prendre des précautions. Pour mieux gérer l'emploi des jeunes, il faut aller à la création des cycles professionnalisants dans les systèmes éducatifs. Il n'y a pas assez d'éducation au Mali. Problème de développement. Le système de santé actuellement en cours au Mali, il est très défaillant. Cela n'est pas normal. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on puisse faire 50 à 100 km pour avoir accès à un minimum de santé. Revoir la carte sanitaire du pays, corriger les lacunes constatées jusqu'à ce jour. Tout cela ne peut se réaliser, comme vous l'avez si bien dit, que lorsque nous vivons dans une paix, dans une cohésion et dans l'unité. La corruption est un fléau qui gangrène un pays durablement. Corrompu bien, corrupteur bien, appelé à gérer. Un frein au développement pour lutter contre la corruption. Récompenser le mérite et sanctionner la faute. Il n'y a pas d'État sans bonne gouvernance. Je vais vous dire que vous avez un référent. Pour qu'on puisse aller de l'avant, sortir les gens massivement, parce qu'on est dans une crise très profonde, il faut prendre des gens qui peuvent vous représenter valablement, qui peuvent représenter les populations et unir le pays. La bonne gouvernance, sécurité et paix, l'éducation, l'emploi, la santé unie pour un Mali nouveau.